Papa, papa, c'était comment déjà le monde avant ? Avant, c'était magnifique. Tout était coloré et plein de vie. Les prairies étaient pleines d'animaux et les champs avaient la couleur de l'or. Et ils dansaient même quand le vent se faufilait entre les épis. Et les vaches, elles étaient vraiment dans des champs ? Oui, je sais, tu trouves ça fou, mais avant, c'était comme ça. Elles avaient des grands espaces pour se balader, courir, jouer. On leur donnait même un petit nom. Parle-moi encore des grands magasins. Ah, les grands magasins. On les appelait les supermarchés. Et tu pouvais y trouver des produits du monde entier. T'avais qu'à tendre le bras, attraper quelque chose dans le rayon, le glisser dans ton panier et c'est tout. On pouvait même choisir ce qu'on mangeait. Les fruits et les légumes poussaient dans des vrais champs, pas en laboratoire. D'ailleurs, avant les laboratoires, c'était les agriculteurs qui faisaient à manger. Mais bon, maintenant, les agriculteurs, ça existe plus. Mais papa, je comprends pas. Pourquoi manger pas tout ça ? Parce qu'on a été bêtes, Lilou. Au lieu de se soucier de la qualité et de l'origine des produits, on était obsédés par le prix, les beaux emballages et on n'a pas réfléchi. Il y a bien des gens qui faisaient de l'agriculture bio, de l'agriculture locale, mais c'était tellement plus facile de faire comme on avait toujours fait. Du coup, peu à peu, les usines ont remplacé les champs et les laboratoires ont grandi au milieu des prairies. Tout ça pour satisfaire nos envies. Donc tu me dis que vous aviez la solution, mais t'as rien fait ? Je sais, Lilou, mais on peut pas remonter le temps. Je suis désolé.